Palinoro en visite à Oran. Un navire école appartenant à la marine nationale italienne, un voilier qui charme par son côté boisé rustique et qui ramène à notre mémoire les aventures de Tintin et le secret de la licorne. Attrayant par son étonnante histoire et par son nom emprunté à un timonier de la légende grecque, histoire, rêve, navigation, nous sommes à bord du Palinoro. Au départ, ce voilier était un bateau de pêche appartenant à la Société française de pêche malouine. Il naviguait alors du côté de Saint-Malo, sous pavillon français, et avait pris le nom du commandant Louis Richard. Ce n'est qu'en 1950 qu'il a été acheté par la Marine nationale italienne. Il fut rénové dans le port de La Spezia, à côté de Gênes, et transformé par la suite en bateau-école, servant à l'apprentissage des futurs sous-officiers de la marine italienne. Il fut dès lors baptisé Palinoro. Sa mise en service a eu lieu officiellement le 16 juillet 1955. À bord, les élèves de l'école navale située à la Maddalena, en Sardaigne, apprennent les exercices de base comme la navigation, les différentes manœuvres, les nœuds marins, tout ce qui est technique et relève de la mécanique. Ils apprennent surtout l'art de manipuler à l'ancienne, sans avoir recours à des machines modernes. Les milliers de cordes situées sur chacun des trois mâts, par exemple, servent toutes à quelque chose et sont utilisées manuellement. Tant que le vent le consent en mer, toutes les manœuvres et les exercices sont effectués sans machine. Mais que signifie donc Palinoro ? D'après la légende évoquée par Virgile dans l'Énéide, Palinurus était l'homme fort, le meilleur timonier du roi aîné. Neptune, roi de la mer, avait promis au vaisseau troyen du roi aîné une journée tranquille seulement si l'équipage, en guise d'offrande, sacrifiait un seul de ses membres. Palinurus fut choisi. Après une lutte acharnée, ce dernier est jeté à l'eau et son corps retrouvé par les habitants de Lucania, près de Campanie et de la Velia. Croyant avoir affaire à un monstre, les habitants rejetèrent dans un premier temps son corps mort à la mer. Ce n'est que plus tard, grâce à une force divine, que Palinurus fut repêché et enterré sur la côte. Les natifs de Lucania érigèrent même un temple en son nom, connu aujourd'hui sous le nom de Cap Palinurus, un point important pour tous les marins italiens. Retour à bord. L'équipage composé d'officiers, de sous-officiers et de matelots. En mission, le Palinoro embarque parfois des scientifiques pour étudier les profondeurs sous-marines ou les questions liées à l'environnement. Le voilier école Palinoro a accosté samedi 25 juin au port d'Oran pour une escale qui a duré 2 jours. En levant l'ancre, le majestueux voilier a été accueilli par la troupe musicale de la marine algérienne sous les regards éblouis des jeunes matelots stagiaires italiens. Le voilier ancré, les matelots se sont affairés à préparer le Palinoro pour permettre l'accès au voilier. La passerelle fut brindée à l'aide d'une banderole personnalisée, des gestes soignés, habiles et précis. Dans le cadre d'une coopération militaire algéro-italienne, le navire a été reçu par le commandant de la 2e région militaire, le général-major Douaissia Abdelkrim, le chef d'état-major de la 2e région militaire, le général Bouhama Nasser, et le commandant de la façade maritime ouest, le général Ben Ayed Abdelhaq. Une fois à bord du navire, dans une ambiance conviviale, les commandants ont visité le voilier tout en échangeant avec le capitaine Francesco Rima, ainsi que quelques membres de son équipage autour de cette coopération algéro-italienne. Je suis le commandant Francesco Rima, commandant de la marine italienne. Palinoro est un navire italien de la marine italienne.
Nous sommes en Algérie, à Oran, pour être présents au lancement des Jeux méditerranéens. C'est un plaisir d'être ici. Ça permet de renforcer les relations maritimes algéro-italiennes et de soutenir notre communauté ici. À bord du Palinoro, 15 cadets du lycée italien. Ils font leur formation à bord. Nous avons passé jusqu'à présent 15 jours en mer. L'apprentissage à bord est très difficile. Les cadets sont extrêmement stressés pour accomplir leurs devoirs. Ce qu'ils font, c'est apprendre les bases. C'est comme faire un baptême en mer, parce que c'est la première fois qu'ils vont en mer, la première fois qu'ils vivent cette expérience. Merci. So first time at sea, first time having an experience on the way. Dès lors, les marins stagiaires sur le sol algérien ont été escortés et conduits vers le fort de Santa Cruz pour une visite guidée. À bord du Palinuro, une délégation italienne conduite par la ministre de l'Intérieur Lamorgese Luciana, la secrétaire d'État au Conseil des ministres chargée des sports Maria Valentina Vezzali et l'ambassadeur adjoint d'Italie en Algérie, Antonio Politi. Invité par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens 2022 à Oran, la délégation a rendu une visite de courtoisie à l'équipage du navire et aux étudiants stagiaires, tout en exprimant leur indéfectible soutien à la délégation italienne participante à ces Jeux méditerranéens. Rappelant que la visite d'État qu'a effectuée le président de la République Abdelmadjid Tebboune en Italie a été marquée par une affirmation de la jonction totale entre les deux nations amies autour des questions d'intérêt commun et une volonté à développer la coopération bilatérale stratégique consolidée par la signature de plusieurs accords bilatéraux. Au terme de l'accueil magistral qui a été réservé au président de la République Abdelmadjid Tebboune par son homologue italien Sergio Mattarella au palais présidentiel de Quirinal, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête élargis par la suite aux délégations des deux pays. قبل الثورة أثناء الثورة التحريرية بداية الاستقلال إلى يومنا هذا لم نسجل مع الدولة الصديقة إيطاليا ولو سحابة صيف كله على ما يرام ونتمنى المزيد وأكثر إن شاء الله. Le président Abdelmadjid Tebboune a fait état d'une convergence totale entre les deux nations sur les questions d'intérêt commun, évoquant la situation au Maghreb arabe ou en Méditerranée, mais aussi le domaine de la coopération bilatérale en matière énergétique. Mettant en avant l'amitié solide et ancienne entre l'Algérie et l'Italie, le président de la République a accentué sa détermination à préserver cette amitié par tous les moyens, outre la coopération énergétique. طاقة شيء بديهي بديهي لأن أولا الجزائر مبنية أساسا على الثقة مع أصدقائها وعلى الكلمة الواحدة والموحدة التي لا تتغير. Le chef de l'État a annoncé le lancement par les deux pays de la production de panneaux solaires dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et d'autres produits par deux sociétés algériennes et italiennes. Le président Abdelmadjid Tebboune a également exprimé le souhait de lancer avec l'Italie, pays ami, une coopération dans le domaine de la construction navale civile ou militaire. Dans ce sens, le chef de l'État a assuré de l'existence de perspectives ouvertes avec l'Italie sans aucune barrière, avec l'engagement de l'Algérie à entretenir l'amitié qui lie les deux pays par tous les moyens. Pour sa part, le président italien Sergio Mattarella a affirmé que l'Italie œuvrait dans le cadre de l'Union européenne à intensifier la coopération entre les États de l'Union et l'Algérie, tout en assurant que l'Algérie était un partenaire stratégique pour l'Italie, notamment en matière d'énergie, mais aussi dans d'autres domaines. La coopération culturelle entre les deux pays, unis par une civilisation commune dans la Méditerranée, n'était pas en reste. Le chef de l'État italien a passé en revue plusieurs initiatives en cours de réalisation,
telle la restauration de monuments culturels et archéologiques, l'échange de chercheurs et d'étudiants ou encore la coopération interuniversitaire. Se félicitant de la tenue en juillet à Alger du 4e sommet entre les gouvernements italiens et algériens, le président Mattarella a qualifié l'événement de rendez-vous d'une importance capitale. À l'issue des entretiens entre les deux parties en présence des ministres des deux pays, plusieurs protocoles et mémorandums d'entente de coopération ont été signés. Un accueil solennel a également été réservé au président Abdelmadjid Tebboune, à la délégation qui l'accompagne par le président du Conseil des ministres italiens, au palais Chigi, siège de la présidence du Conseil des ministres italiens. Le chef de l'État et le président du Conseil des ministres italiens ont passé en revue un détachement de la garde militaire italienne qui leur a rendu les honneurs. Le président Abdelmadjid Tebboune a été honoré par le maire de Rome, Roberto Gualtieri, lors d'une rencontre de courtoisie tenue au siège de la mairie, où un présent lui a été offert consistant en une réplique de la Louve Capitoline, symbole de la ville de Rome. La furtive escapade du Palinuro à Oran s'est achevée dans une ambiance bon enfant, pot de bienvenue, échange, découverte. Un voyage dans le temps qui a permis de découvrir le voilier, mais aussi de renforcer les relations bilatérales entre les deux nations. Mmh.